Het verdronken land van Noord-Frankrijk. Hier in het departement Pas-de-Calais verovert het water elke dag wat meer land op de mens. Hier, mon cheval est tombé dans l'eau. Donc on a passé quasiment toute la soirée avec les pompiers pour la sortir de l'eau. Et en fait, toute la berge est en train de s'écrouler. Tous les jours, ça tombe. Tous les jours, on va devoir reculer un petit peu. Maintenant, vous avez peur chaque fois quand il pleut ou Oui, aujourd'hui, oui. C'est vrai qu'il y a le stress dès qu'on commence à avoir des grosses pluies. Pendant 2 jours, le niveau remonte quasiment à la hauteur de la berge, quoi. Sinds november vorig jaar waren er maar liefst 3 grote overstromingen na elkaar. Arm of rijk, niemand ontloopt het water. 49% d'humidité. Oh, 49. Et on est à 1,60 m du sol extérieur. Ah, ok, oui, oui. Ah, oui, parce que c'est vrai. C'est... La maison est en hauteur. Slachtoffers van de overstromingen verenigen zich nu in associaties. Zo kunnen ze gemakkelijker en efficiënter de verschillende overheden, intercommunales en beleidsverantwoordelijken benaderen. On est en train de rassurer les gens en disant, vous voyez, maintenant ça ne va plus arriver, on va vous mettre un bassin de rétention, on va vous mettre des digues, et puis maintenant on peut continuer à vivre de la même manière. Ben, nous on dit non, il faut s'adapter aux circonstances qui vont venir avant que ça se reproduise. En fin de compte, c'est ça. David Roussel, die zijn villa al 4 keer zag onderlopen, krijgt net bezoek. 3 medewerkers van de intercommunale komen anderhalve maand na de laatste overstroming de schade opmeten. De laksheid van enkele lokale politici zit hem hoog. Le maire de Bizerne, on ne voit pas. Voir ce que ça a fait dans le parking de Brébant, l'eau qui coulait de chez moi en fait. Ah ouais, donc ça c'est le mur que vous avez cassé. Si j'avais pas cassé ça, l'eau elle montait plus haut que le mur. Parce que là, le 11 novembre, l'eau elle est montée là, hein. Le 10 novembre. Elle est montée là, la flotte. Ah ouais, c'est cool quand même. David brak zijn eigen muur af om het water sneller te laten wegvloeien en zo zijn woning te redden. Maar voor die actie hangt hem nu zelfs een rechtszaak boven het hoofd. David is woedend. Vous voyez ce que je vis en fait ici? Je fais la gueule, mais vous voyez ce que je vis? En tant que victime, on n'a aucune considération de la mairie, de la CAPSO, de la SMAJA. Il y a quelqu'un de la SMAJA qui m'a raccroché au nez. Il m'a dit, vous aviez qu'à pas acheter un château qui a été inondé en 2002. En quoi j'ai pas le droit d'acheter ce que je veux et j'ai pas le droit de vivre chez moi en fait? Het noodweer trof 244 gemeenten in de departementen Pas-de-Calais en Le Nord. Meer dan 340.000 mensen kregen te maken met wateroverlast. En de ellende is nog niet voorbij. Ook de schoonmaak niet. En de assurances, ils ont déjà fait quelque chose pour vous? Pour l'instant, il faut faire tous les devis. Donc on est encore en train de faire des devis. Parce que là, maintenant, j'ai des champignons. Ah, des champions. Donc là, je viens d'appeler pour le carnage. Ouais. Naast de financiële kater is er ook de psychologische impact. En de onderlinge solidariteit en het samenhorigheidsgevoel staan onder druk. On faisait la fête des voisins, tandis que maintenant, ben, on est un petit peu éloigné, quoi. Hein? Littéralement et aussi. Ben voilà. Voilà. Hein? Chacun, il porte sa capelle, comme on dit. Et maintenant, revenir, c'est pas une possibilité? On a du mal. C'est toujours plus haut. Donc après, ce sera encore plus haut? On ne sait pas. C'est difficile de s'imaginer de revivre ici. C'est difficile. Il y a une crainte aussi maintenant, une angoisse. Oui. On ne dort pas. On ne dort plus. Huiseigenaars met een tuin die grenst aan een rivier houden bij elke nieuwe regenbui hun hart vast. Het water komt al maar dichter bij de huizen, ook bij Vincent Maquignon in Blondec. Soit on recommence tout, soit on rase la maison, quoi. Nous on veut plus rester ici. On est entouré de 2 bras d'eau, hein. On est sur un îlot ici. On a la rivière au bout du jardin et l'autre côté de la maison qu'on je vous ai montré, il y a la rivière juste derrière également. Donc ça suffit pour vous maintenant? Ah ouais, non, on peut plus, non, on veut plus. On a même plus l'envie. Non, on revient ici, c'est la boule au ventre.
De Franse regering wil sommige huizen onder voorwaarden wel opkopen tegen een maximumbedrag van €240.000. Maar niemand weet hoe dat scenario zal uitpakken. Si on doit acheter une nouvelle maison, de nouveaux frais notariés à payer, tout déménager, ce qu'on peut encore sauver. Oui. Mais le temps compte pour nous là. Le temps est en train de nous compter et c'est ce qui nous fait peur à nous là. Parce que sinon on devra revenir habiter dans des conditions déplorables, voire obligés à refaire nos travaux ici. Wie alles verloren heeft en nergens meer heen kan, kan voorlopig via de verzekeringen voor €625 per maand een mobile home huren. Gwendoline woont er nu op 34 vierkante meter met 6 gezinsleden in totaal. Nou, on peut rien acheter. Parce que, on n'a pas de logement. Il y a tellement de personnes, comme je vous ai dit, que nous, pour l'instant, on est en stand-by. Attends, mon cache le. Elle croit qu'on est en vacances, en fait. Pour elle, c'est des vacances. Et nous, on sait, elle sait très bien ce qui s'est passé, hein, mais je veux dire, pour les petits, c'est pas facile, quoi. C'est autre chose. De gevolgen van de klimaatverandering aanpakken, een beter onderhoud van dijken en kanalen voorzien en vooral een overkoepelend en gecoördineerd waterbeleid voor heel de regio uittekenen. Alleen dan kan dit stuk Frankrijk het hoofd boven water houden. En dat besef, dat groeit. We moeten samen werken om te imaginer que on n'est plus ce phénomène qu'on a eu. On peut avoir des fortes pluies, mais on doit savoir gérer cette eau et essayer de la faire évacuer le mieux possible. Mais ça, c'est un gros travail. Pour moi, il n'y a qu'une seule identité, une seule structure qui peut gérer tout l'ensemble pour coordonner avec toutes les personnes.